où elle va? Ah, t'es obligé d'aller bouffer à l'autre bout de la maison. On peut pas manger dans la cuisine comme tout le monde. Mais quel boulet, ça y est. Vous avez raison, j'aurais dû la mettre pénible. La cuisine, t'es pas obligé de la fermer, d'accord. Putain, j'aurais dû mettre pénible comme sa mère, hein. Vous aviez raison. Aïe, aïe, aïe. Du coup, bah, tu vas commencer à bosser, hein. Faut juste avoir les éléments indispensables à une cuisine, d'accord. Mais ça peut être, voilà, mais ça peut être la cuisine, salle à manger en même temps, quoi. Enfin, cuisine ouverte sur la salle à manger, par exemple. Allez, va regarder des vidéos. Bon, il nous faut 5 partout avant de pouvoir la faire grandir. Et autant vous dire que je ne ferai pas de deuxième enfant tant que je n'aurai pas fait grandir le premier bambin. Négatif. Je pars pas en galère avec 2 bambins, c'est pas possible. Toi, t'en es où? On sait pas. Ah, tu bosses dans 5 heures quand même, c'est bien. Oui, c'est ce que j'ai fait dans un de mes conteneurs. Salon, salle à manger, cuisine. En fait, t'as posé des pièces partout, c'est ça? T'as posé des pièces partout, ça fait une maison. Va continuer à bosser. À bosser ton jardinage. Il est où? Voilà. Et toi, déjà ton divertissement il est bas. En fait, elle veut juste faire crac-crac. Alors, prendre une douche rapide, nettoyer. Et va faire un tableau. Grande toile classique. Ouf. 11h20, c'est bien, dis donc, on est pas mal. On a bien avancé quand même, 1h30, on a fait grandir le bébé. On a agrandi la maison. Et c'est pas fini. Il va nous falloir une piscine aussi à un moment donné. N'empêche que moi, j'aurais pas besoin de toi, je te taquine, c'est sûr. Je mettrai les salons de jardin, des plantes, enfin tu vois le genre. Oui, non, mais je vois. Non, mais t'as bien raison. Hein. Non, mais moi je vais y arriver à mettre un toit un jour. Je vais y arriver. Excusez-moi. Vas-y, toi tu bosses, toi tu. Qu'est-ce que t'as? T'as triste parce que tu t'es fait pipi à côté, c'est pas grave. T'en veux pas. Allez, petite peinture pour renflouer les caisses. Bon, bah ils bossent tous, c'est bien. Tout le monde bosse au taquet. Ah, elle est en colère. Elle a faim. Ok, vas-y, arrête. Ouvrir. Grand petit déjeuner. Prendre une portion. Et après, il y a quelqu'un qui ira te lire une histoire pour t'endormir. Au hasard, ton père, parce que ta mère, elle est occupée à gagner de l'argent. Allez, go. Mais pourquoi t'arrêtes? Ah, tu es très tendue. Oh, qu'est-ce que t'es pénible. T'es surtout très pénible, en fait. T'es pas très tendue, t'es très pénible. Oh. Bon, dès qu'il aura fini de lui lire l'histoire, tu vas faire crac-crac avec ta femme parce qu'elle en peut plus de la vie. Elle a besoin que tu lui remontes le moral. Tiens, peut-être venir faire le ménage, même au bout de sa vie. Bon, t'as fini de manger, toujours pas. Ah, dépêche-toi parce que ton père, voilà, il bosse. Lire une histoire pour l'endormir. Et il faut que j'aille prendre une douche méditative. Prendre une douche méditative. Et puis après, il ira regarder les nuages. Mais à mon avis, il aura pas de... Mais comment ça, tu peux pas aller là-bas? Mais bon, alors c'est pas grave. C'est toi qui vas aller lire une histoire pour l'endormir.
Voilà. Toi, tu es inspiré. Va regarder les nuages. Regardez les nuages. Voilà. Comme ça, il sera bien bien inspiré pour aller bosser. Oh, Derishi. Voilà, lui une Askana, histoire. Ah, et ça Birosh l'amuse, c'est Aguya. bien. Shulib, Afwash, Ebazir. Aplivazat, Wallach, Askana. Ah, ça y est. Elle l'endormit. Et là, elle s'ennuie. Allez, go au boulot, toi, ça va être en retard. Être en retard n'est pas un bon moyen d'avoir une promo, je te le dis. Bonjour, premier live pour moi, pardon. Pour moi, je viens de découvrir ta chaîne et j'aime beaucoup tes challenges. Merci, c'est gentil, Sonia. Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Je suis contente que ça te plaise. Et je suis contente que tu sois là. Alors, en vrai de vrai, c'est mon premier live sur YouTube aussi. En fait. D'habitude, je suis que sur Twitch, donc c'est la première fois que je live sur YouTube. On va le faire travailler dur, cet homme-là. Et toi, et toi, et toi. Et si t'es juste tendu? Non, tu peux pas. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui faire faire? A remarqué, elle a des écouteurs. Écoutez. Fête de fin d'année. Allez, toi, il m'en faut. Va la détendre, les écouteurs. À défaut du crac-crac en attendant que monsieur revienne. Voilà, je savais que ça allait la détendre. Allez. Vas-y, reprends l'autre. Agathe, elle dort. Et lui, il est au travail. Allez, go. Et voilà. Comme ça remonte le divertissement en même temps qu'elle nous peint ses tableaux et qu'on puisse un peu récupérer de l'argent. Hop, un vrai collectionneur. Bah continue, hein, ma foi, t'as rien d'autre à faire. La petite, elle dort. Olivier est toujours au travail. On s'en sort bien. Une toile de plus. Elle est vraiment pas décidée à nous faire un chef-d'œuvre. Hein. Je crois que cette pauvre Dina, elle est pas faite pour faire les choses, pour faire des choses de ouf, quoi. Elle est ju juste pour la base. Faire le ménage, faire des tableaux, voilà. C'est à peu près tout. Ok, la petite. La petite, elle dort toujours. Elle va avoir envie d'aller aux toilettes. Quand elle se lèvera, on ira. Il faudrait que tu lui prennes la récompense visionnaire. C'est quoi ça déjà? Je sais plus. Ah oui, à Dina. Oui, non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai d'autres. Coucou, je savais que tu nous. Tu es une Sim7. Eh oui. Tout à fait, tout à fait. Je suis un Sims. Par contre, je ne sais pas qui contrôle ma vie, mais faut qu'il arrête. Faut qu'il arrête. Je pense que la personne qui contrôle ma vie de Sims aime bien me faire galérer aussi. Et coucou aussi. Excuse-moi, je dis même pas bonjour. Oui, je suis un Sims. Je l'avoue. Elle dort toujours. Et je sais pas jusqu'à quelle heure travaille Olivier. 2 heures du matin. Très bien. Alors, elle finit sa toile. Vendre. Vendre.
aux toilettes et dormir parce qu'à mon avis, quand la petite va se réveiller, il va falloir assurer. Celui qui contrôle la vie pourra faire un coup de Mother Load. Oh oui! Oui. Un petit Mother Load, ça serait pas mal. Alors le trait visionnaire, je crois que Mister Cool, ça te permet de faire plus de chefs-d'œuvre en fait. Tu fais plus de chefs-d'œuvre. Du coup, elle est au lit. Hop, on va aller jusqu'à 2h du matin. Voilà, donc 2h du matin. J'ai pas eu de promo, bien sûr. Ça aurait été trop beau. J'en aurai une demain, si tout va bien. Du coup... Bah, il a la dalle, donc il va préparer à manger. Enlever la nourriture gâtée. Plus de choix. Oh, pourquoi je peux pas cuisiner? Et... vas-y, chips et machin pour 4. C'est parti. Attends, qu'est-ce qu'on en jette comme bouffe? Mais c'est pas de ma faute aussi, il doit faire de la nourriture pour cette tâche quotidienne, alors j'ai fait faire de la nourriture, quoi. Et c'est pas de ma faute si le frigo il est pourri, faudrait qu'on change de frigo. Voilà. Faudra refaire un deuxième plat par contre. Et t'avais déjà mangé, non? Ouais, bon bah vas-y. On remet ça, quoi. Non, je crois que tu l'as déjà mangé, ceci dit. Si Dina veut bien se lever, on va faire un petit coup de crac-crac pour remonter le divertissement et le social des deux à la fois. Allez, ils sont cachés par le lampadaire. Ouais, ils sont contents. Youhou, allez, let's go. C'est parti, donc lui il va dormir et elle, elle va manger. Prendre des restes. Bon, ben on est pas mal, on avance bien. On avance bien. Ok, et la petite elle dort toujours, c'est bien, elle fait que dormir. Quand elle se lèvera, elle ira sur le pot. Ça va nous prendre un temps de fou, ça aussi, de monter toutes les compétences. Mais au moins, après, elle apprendra ses compétences beaucoup plus rapidement. Bagarre de quartier. D'accord. Magnifique. Je crois pas qu'on va le réussir, celui-là. Pourquoi t'es malade? Je t'ai pas demandé de nous faire de la nourriture pourrie aussi. Pff, quelle idée. Bon, ça y est, la petite se lève. Allez, elle va lui demander de l'aide pour le pot. Elle aura fini le ménage. Allez. Non, tu lui as pas demandé de l'aide pour le pot. Non? Bon, bah écoute, on va faire autrement. T'as peut-être fait faire un bébé? Non. C'est parce qu'elle a mangé de la nourriture pas bonne. Enfin, je crois. Dina est en conflit avec son ventre. Non, je n'ai pas fait crac-crac. Hein. Pourquoi tu ne ferais pas un deuxième enfant? Comme ça, ils auront le même âge. Ça va pas ou quoi? Deux bambins à la fois. J'ai dit que je voulais pas de jumeaux. Je veux pas de triplés. Je veux pas de 12 enfants à la fois. Vous êtes fous, quoi. Vous voulez ma mort, en fait. Vous voulez que je meure sur ce clavier, quoi. Vous trouvez qu'ils sont pas déjà assez chiants comme ça, à pas faire ce qu'on leur demande? Je vais pas m'en prendre un deuxième, hein. C'est bon, hein. Quelle horreur. J'espère que j'ai pas fait faire un bébé. Attends, bah c'est simple. Non, c'est bon, j'ai pas fait. Y a pas de test urinaire. Quelle idée. Bon. Mais bon. Non. Ne faites pas des frayeurs pareilles. Ah non, faut pas.
Il faut pas. Alors, non, c'est bon, tranquille. Tranquille, tranquille. Un bébé à la fois, c'est déjà pas mal. C'est déjà suffisamment de boulot. Allez, apprends ce pot là, que tu puisses y aller toute seule. Oh là là, c'est pas possible, il reste. Qu'est-ce que c'est? Mauvais conseil pour le pot. Allez, en plus, tu sais pas faire. Allez, on y retourne. Comme ça, après, elle peut aller au pot toute seule. Et paf, t'aurais des jumeaux, en plus, ce serait la fête. Oh là, des triplés, carrément. Tu veux pas que j'ai des triplés aussi? Des triplés, puis j'adopte une portée de chiots. Comme ça, on est bien. On met n'importe quoi. Donc, niveau 2 du pot, elle va pouvoir y aller toute seule. Terrible. Alors, ensuite, toi, tu vas pouvoir reprendre ton job. Toi, tu as faim. Ça, je peux t'aider. Ouh là là. Allez, tacos. Tacos. Et tacos. Non, mais vous êtes fous. La prochaine fois, t'auras des triplés. Si tu me portes la poisse comme ça et qu'elle me fait des triplés, ça va mal se terminer, je te le dis tout de suite. Hein. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais je suis faire la popote dans live. Ben, bon appétit et merci d'être passé. C'était très gentil de ta part. Merci beaucoup. Et bah, peut-être à une prochaine. Peut-être à un prochain live. Bon, allez, ça suffit. Va manger. Va faire ton tableau. Manger comme ça, je peux ranger. Hop, ça au frais. Bah de rien, à bientôt. Ensuite, quand t'auras fini. Et merci pour le follow avant de partir. Merci beaucoup. Quand t'auras fini de manger, tu vas revenir finir tes compétences. Voilà, voilà. Bon, bah c'est pas mal tout ça, on s'en sort bien. On s'en sort bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attendez, vous énervez pas. Pourquoi t'es triste? Pas de raison d'être triste. Regardez des vidéos. Toi, vendre. Et grande toile classique. Et toi, bah, t'as fini de dormir. Tu travailles dans combien de temps? Dans 5 heures. Faut que t'ailles préparer un autre repas. Cuisiner. Hop, macaroni au fromage. C'est un classique, c'est pas très cher. Bonjour, je suis Leftar. Salut Fanny. C'est pas grave, l'important c'est de finir par se lever à un moment donné. Hein. Bon, bah, chacun va qu'à ses occupations, c'est bien. Voilà, et il a validé la tâche du jour. Très bien. Bon, bah, il n'y a plus qu'à aller au travail. J'ai même pas eu le temps de regarder la rediff et je vois qu'il y a un gosse en plus maintenant. Bah, il y en avait. Ah oui, c'est moi qui t'ai loupé la fin de la rediff. En fait, ils ont fait un bébé dans le dernier épisode, donc une petite fille qui est née à la fin du live, qui s'appelle Agathe. Et là, ben, en début de live, on l'a fait grandir. Alors, alors le Wonder Child, je l'ai fini en fait. Il est fini. Normalement, tout est en ligne. Et le Single Sims, je l'ai terminé aussi, mais j'ai pas encore eu le temps de tout mettre sur YouTube. Donc, c'est prévu dans ma liste de choses à faire. Mais c'est prévu si tu vas avoir la liste du Single Sim. C'est juste que j'ai pas eu le temps de les mettre en ligne. Et le Wonder Channel, normalement, il est fini. Et il y a tous les épisodes. Hein. Sauf si j'ai fait une boulette. Mais normalement, tout est en ligne sur YouTube. Eh, hey, 619, c'est bien.
Un petit tour aux toilettes. Utiliser une peinture et au dodo. Alors, toi. Eh ben, toi, tu vas aller bosser un peu. Dans combien de temps tu travailles déjà? Dans 4 heures, bah, tu vas bosser un peu. Un peu le jardinage, mon petit. À 5000 la rénovation. Ouais, je pense qu'il faut au moins 5000 là pour tout changer, les meubles et tout. Donc, ouais, je pense qu'on va attendre 5000 et qu'à 5000, ils auront le droit d'avoir du papier peint, du sol et petite rénovation des meubles. Et on va essayer, si on a assez de sous, de mettre un peu de déco. Je pense que, ouais, 5000, c'est pas mal. Très bonne idée, Mister Cool. Bon, on va attendre que ça finisse. Oui, bah, je devais pas faire de live sur les Sims aujourd'hui parce que je devais travailler. Mais c'est vrai que je vous ai pas tenu au courant. Mais au final, j'ai effectivement une côte de fêlée. Donc, je suis en arrêt toute la semaine. Donc du coup, je ne travaillais pas ce matin, c'est pour ça que j'avais rendez-vous chez mon médecin ce matin pour faire le point. Et voilà, je ne travaille pas pendant toute la semaine, du coup, on va pouvoir faire un petit peu de live. Parce que quand je suis assis et que je ne bouge pas, ça va. Faut pas que je bouge de trop. Du coup, elle a pas fini. Ouais, mais elle est tendue, je suis sûre. Les coups à faire des bébés, hop, faire des bébés machin, super. Et après, donc, on a dit qu'on l'envoyait chez voilà, chez madame Dina pour refaire d'autres bébés grenouilles, oui, de l'autre côté. Niveau 3 en communication, wouhou, on progresse. Comment tu t'es fêlé la côte? Ben en fait, je suis tombée par terre. Il y avait un trou dans le trottoir, je me suis étalée, j'ai fait un plat et j'ai tapé avec les côtes par terre, voilà, en pleine rue. C'était pas du tout la honte du tout, mais un petit peu quand même. Hello Ligma, j'ai vu les règles, ça va durer longtemps. Est-ce que tu as enlevé le temps de vie? Oui, j'ai enlevé le temps de vie, j'ai enlevé l'espérance de vie parce que sinon je pourrais pas, enfin j'aurais pas pu réussir dans le temps d'une vie Sims. Donc j'ai enlevé le vieillissement, c'est moi qui fais vieillir manuellement les Sims quand c'est le moment. Voilà. Du coup, toi tu dors, elle continue la communication. T'en es où dans tes besoins? Tire aux toilettes après. Elle est sur le pot. Toi. Bah tu vas aller aussi sur le pot. Hein, enfin, les toilettes, quoi. Tu vas faire un petit peu de ménage aussi parce que ça mange pas de pain. Nettoyer. De toute façon, elle est tendue, donc je pense qu'il voudra pas. Est-ce qu'il faut que je te raconte un truc? Faut que je te raconte un truc insolite qui m'est arrivé ce matin. Ah bah vas-y, raconte. Et bonjour Léa. Enfin, Kajiji à toi aussi, hein. Vas-y, raconte, fais-nous rire. Enfin, fais-nous rire, je sais pas si c'est rigolo d'ailleurs. C'est peut-être juste insolite. C'est peut-être juste... ouais, on va voir. On va voir... Il va où lui? Ah, il va chercher l'assiette sale. C'était peut-être pas un bon plan de mettre la chambre du bambin à l'autre bout de la maison parce qu'ils sont toujours en train de faire des allers-retours dans les couloirs. C'est pas terrible, ça perd un temps fou ça. Tire à prendre une douche et tu travailles dans... Ah, tu travailles là. Attends, t'es pas prête, t'es pas prête, tant pis. Tant pis pour la douche, ça devrait aller, j'espère. Oh, il est mal à l'aise. Oh, je crois qu'on va pas avoir la promo. J'ai pas fait prendre la douche et en plus il a un moodlet. Il est malade quoi.
Ah, ce serait con qu'on n'ait pas la promo à cause de ça. J'étais assise sur un banc et il y a un mec déguisé en Sisi qui était assis à côté de moi. J'ai eu peur qu'il faisait son enterrement de vie de garçon. J'avoue qu'un mec qui arrive déguisé en Sisi, ça c'est insolite. C'est assez spécial, tu m'étonnes que t'aies eu peur. Mon Dieu. C'est surprenant quand même. C'est surprenant. Tu as une vie passionnante. J'en vois plein des trucs comme ça en centre-ville où j'habite, c'est marrant. C'est marrant, c'est vrai que c'est marrant, mais c'est assez. Ça m'est arrivé la dernière fois à Auchan. Mais il se passe plein de choses dans vos vies, à vous, moi. Moi, à part faire des plats sur le trottoir au lieu d'aller à la piscine, je croise pas des gens zizi, hein. Oui, parfois ils ont des gages, ouais, je connais aussi. Toi, t'as sommeil. Mais t'as faim aussi. Alors, tu vas d'abord manger. Et seulement après, tu iras dormir. Moi, j'ai flippé. Bah, tu m'étonnes. Il a crié mademoiselle, mais n'ayez pas peur. J'avais tracé ma route. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ça va, c'est le matin. Tu le croises pas le soir quand il fait sombre et tout. Parce que là, y a de quoi flipper grave. Il y a de quoi avoir un gros coup de flip quand même. Bon. Allez, va manger, va au lit. Attendez, il faut que je range le plat avant qu'il périme. Et elle va aller manger et au dodo. Eh bien, écoutez, 2455. Bon, on est à la moitié pour des 5000 pour comment dire, pour se rénover un petit peu cette maison, enfin cette maison, ce bunker, cet abri de fortune. Bon, aujourd'hui pas de tasse magique, hein, juste une tasse Lama Sims. J'ai appelé ma mère, maman, il y a un mec déguisé en zizi qui est venu me parler bien vite. Et ta mère, elle a dit quoi? Elle a dit qu'est-ce que t'as fumé? Arrête la drogue. Que dis-je ce palace? Oui, c'est ça, voilà. Cette magnifique maison qui n'a aucun style, aucun charme. C'est moi, quoi. Voilà. Ça, c'est ce que je suis capable de faire. Je suis plutôt fière de moi. Elle est trop belle, la tasse. Oui, elle est belle, hein. Elle est sympa, hein. C'est sur le. Ils ont un site de merchandising avec où ils vendent des t-shirts, des pulls, des mugs et tout ça. C'est là-dessus que je l'ai acheté. Voilà, sur le site de Goodies. Ouais. C'est sympa. J'ai aussi le sweat avec le prisme multicolore et le lama. C'est sympa. Qu'est-ce qu'elle fait? Bah, va dormir. Elle a cru que c'était un monsieur qui me les avait montrés pour de vrai. A constaté sur le parking que j'avais pas fumé. D'accord, ça va. Oui, chef, désolé pour mes références cinématographiques. T'as payé cher pour les frais de douane? Non, j'ai pas payé. Enfin, j'ai pas payé. J'ai payé les frais de port et c'est tout. Cette maison est mieux que celle des gothiques? Oh, quand même. Quand même. Faut exagérer. Un peu pourri. Elle doit être cool le sweat. Ouais, il est sympa. C'est un sweat un peu mi-saison. Hein. Il n'est pas très chaud pour l'hiver, mais c'est sympa. Hey, coucou Missing. Crime, elle paye jamais. C'est ça. J'ai un crédit illimité partout. J'ai un crédit limité partout, je paye pas. C'est cadeau. Seulement. Si seulement. D'ailleurs, là, j'avoue que je me prendrais bien un sac avec
avec Sonia Gothic dessus, ou alors à celui avec les saisons. Mais bon, j'attends. J'ai eu une dépense un peu importante ce mois-ci, donc je vais attendre 2-3 mois avant de me les payer parce que voilà, j'ai pas un crédit, j'ai pas un compte en banque extensible malheureusement, et mon banquier prend pas Mother Lode, donc marche pas. Ça ne marche pas. Tu veux pas un sac Barbie? Mais il était joli le sac Barbie, il était joli. Et on voyait pas que c'était Barbie au début. C'est pas de ma faute. Et maintenant je veux le sac mini avec les oreilles et le petit nœud, tout ça. J'étais dans mes pensées, j'ai pas capté au début et j'ai tourné la tête. Bah tu m'étonnes. Tu vas faire quoi pour la pièce à côté de la chambre du bambin? Bah c'est ce qu'on disait, je vais peut-être faire. Alors, soit salle de bain bureau, soit je fais une petite salle de bain, genre collée à la chambre des parents pour faire la suite parentale. Je vais faire la salle de bain là pour faire une suite parentale. Et puis là, peut-être un bureau ou une chambre. De toute façon, il me faut deux salles de bain, donc. Peut-être un bureau ou une chambre. Il faudra que je refasse une troisième chambre ici. Et genre, tu vas à la douche toute seule comme ça. Comme une grande. D'accord. Pas de problème. Bah, quand tu seras douchée, t'en profiteras pour aller manger et finir le tableau. Mais on n'avait pas envie de faire. Ah! Promo chef de partie. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Rien. Juste préparer à manger ou à boire. Ok. Prendre une douche. Toi, tu vas manger. Et finir ton. Ah, elle peut pas. Elle est toujours tendue. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est pénible. Une deuxième chambre pour les triplés. Meryl? Attention, toi aussi tu vas me porter la poisse. Je vais très mal le vivre. Je vous préviens. Je vais me suicider avec ma souris sans fil. Ah, je vais me pendre avec le fil de ma souris sans fil si vous continuez. Elle dort ou pas? Oui, elle dort. Très bien. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je t'avais pas demandé de venir prendre une douche à la base? Et est-ce que tu travailles demain? Dans 10 heures, très bien.